L'essentiel n'est pas que la forme soit personnelle, nationale, d'un beau style, qu'elle corresponde ou non au courant général de l'époque, qu'elle s'apparente ou non à un grand nombre ou à un petit nombre de formes, qu'elle soit isolée ou non. L'essentiel dans la question de la forme est de savoir si elle est née d'une nécessité intérieure ou non. C'est la compile, c'est la compile, c'est la compus, c'est la compus, c'est la compète, et qu'on l'embête, et bien ça pue, et bien ça pue, ouais. C'est la compète. C'est la compile, c'est la campus, c'est la compile, c'est la compile, c'est la compète, et quand on pète, ça pue, ça pue, ça pue, jamais assez, toujours plus, pour plus de déchets. On ne sait où jeter. Où jeter? Ben oui, on va jeter tout ça. On n'en sait rien, mais on s'en fout, on continuera de produire. C'est là. Et si on produit plus, eh ben on dira aux Chinois, vas-y toi, là, le Chinois. Allez, vas-y le Chinois. Allez, vas-y. Produit pour nous. Aussitôt acheté, aussitôt jeté à la déchetterie. Ouais. Pendant ce temps-là, les Chinois, ils s'enrichissent et ils polluent. Ah, ils polluent, hein, les Chinois aussi. Ils tombent malades, ils tombent malades. Et tout ce qu'ils produisent pour nous, c'est toxique. Faut pas que ça coûte cher, quoi. C'est la compile, c'est la compus, c'est la compile. Et tout ça on nous le dit à la télévision. On change de chaîne pour gagner des millions, mais on revient toujours le doigt sur le bouton. On veut essayer de nous vendre encore plus. Faut travailler plus, mais y'a plus de boulot, y'a plus de réparateur. Y'a même plus d'amour dans les cœurs. On dit pas bonjour à son voisin, non. On le connaît plus, le voisin. Y'a des balayeuses qui passent dans la rue. Plus besoin de balayer devant sa porte. On n'a plus rien à faire. On est des consommateurs. Sans amour dans le cœur. C'est la compagnie. C'est la compile, c'est là qu'on meurt. Sans amour dans le cœur, dans le cœur. On veut de la sécurité, ouais. Pour bien dormir le soir. Après avoir éteint la télévision, qui nous dit tout, tout. Après avoir éteint la télévision, qui nous dit tout, tout, qui dit tout. C'est la compile, c'est la compile, la compile, c'est la compile, c'est la consommation, la consommation, la clarté, la compte maintenant, c'est nous, c'est la compète, et où l'on pète, ça pue, ça pue, mais on en a jamais assez, on en veut encore un peu plus, pour produire plus. Pour jeter plus. Mais c'est pas grave, on va tout recycler, tout remanger, et on tombera malade. Et les scientifiques nous soigner, à coup de piqûre, à coup de piqûre. Deux fauteuils de plus. Incroyable, non? Deux fauteuils de plus. La compte des filles, c'est la compte, c'est la compte, c'est la compte.
vraiment ça pue. On est dans la merde et ça pue encore plus que quand on pète. Et quand ça va puer, ça va puer, ça va chier. C'est la compuche, c'est la compète, c'est la compile, c'est la compétition. Chaque mois, l'Occident expédie 2500 tonnes de déchets électroniques toxiques au Nigeria. Chaque mois, l'Occident expédie 2500 tonnes de déchets électroniques toxiques au Nigeria. Qu'elle s'apparente ou non à un grand nombre ou à un petit nombre de formes, qu'elle soit isolée ou non, l'essentiel dans la question de la forme est de savoir si elle est née d'une nécessité intérieure ou non. Et le fauteuil, lui, est-ce qu'il peut resservir à quelqu'un? Y aurait-il d'autres personnes comme ça dans le monde qui auraient la nécessité d'avoir un à roulette? Que, bon, ça éviterait quand même d'encombrer les bennes à déchets, parce qu'on a tellement de choses à jeter. Oui, les vélos, les machines à laver, les frigidaires, les télévisions, les ordinateurs. Et savoir si ça pourrait resservir à quelqu'un, voilà. C'est ça la question. Y a-t-il d'autres personnes dans la nécessité qui... Non ? Ah bon, alors on va se tomber.